Dieu vous appelle à vous repentir. Il appelle tous les hommes en tout lieu à se repentir. Et pas pour aller dans la religion. Ben, si tu veux connaître ton enfer, chiffre, ben, je te pardonne. Ben, fais ta gueule. Toutes les péchés. Dieu appelle les pécheurs à se repentir des gros mots. Hein, les gros mots. C'est l'enfer, ça aussi. Ton cul. On l'a dit. Jésus-Christ a donné sa vie afin que les hommes soient délivrés par sa vie de sainteté. David dit que Jésus est à l'image, du Créateur vivant. Parce que oui, tu es le Créateur, oui, tu as été créé, messieurs, dames. Bonjour à tous. Jésus-Christ a donné sa vie pour l'humanité. Voilà l'amour du Créateur. Et il n'est pas une religion. Dans l'amour du Créateur, il s'est manifesté en chair pour que les hommes soient sauvés. Pour le salut de l'homme. Pour le salut de vous, monsieur. Ils ont préféré le mal. Regardez l'état du monde. Regardez notre génération adultérienne, homosexuelle, perverse, corrompue. Alcoolique, ivrogne. Vous marchez où, mes amis? Vous marchez où, mes amis? Dans l'enfer, la mort. Mais où ira ton âme? Les hommes pensent que la vie les appartient. On fait ce que je veux. Je mange ce que je veux. J'irai où je veux. Mais laisse-moi te dire oui. Mais que ta vie ne t'appartient pas. Quand la mort vient, les hommes crient à qui, à votre avis? Oh mon Dieu! Au secours! Mes amis, la Bible est la parole divine. Et Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, a enseigné aux hommes à s'aimer les uns les autres. Mais dans ce monde, il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus la paix. Où ira ton âme si aujourd'hui tu meurs dans le mensonge? Où ira ton âme si aujourd'hui tu meurs dans le luxe sans avoir rencontré ton Créateur de ton vivant? Aujourd'hui, ton Créateur t'appelle à faire la paix avec lui, afin que ton âme aille au ciel après la mort. Voilà la puissance du Créateur. Pourquoi ton âme est plus importante que ce monde? Voilà pourquoi aujourd'hui, ton Créateur t'appelle à faire la paix avec lui. Qui peut faire le mal? J'ai pas vu les chiens dire des gros mots, mes amis. C'est grave. Beaucoup prêchent à la rigolade. Qu'est-ce qu'ils racontent? Je t'annonce aujourd'hui que le Créateur a laissé un temps aux hommes pour vivre, rigoler, faire la fête. Mais le temps de ta tombe, vous n'y pensez pas, la tombe, hein? On ira tous au paradis avec vous. On ira tous au ciel. C'est ce que toi tu dis. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Et la Bible dit qu'il a réconcilié toutes choses par la croix, la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour l'humanité, pour le salut des humains. Bruxellois, bruxelloises, étrangers, vous qui aujourd'hui entendez cette parole, elle est un témoignage pour vous. Si vous la recevez, si vous cherchez le Créateur de tout votre cœur, de toute votre force, si vous criez à lui, si vous faites de lui votre espérance, il viendra à vous et il soupera avec vous. Dans vos cœurs, il viendra établir sa demeure. Parce qu'il ne vit pas dans les bâtiments faits de main d'homme. Là où il veut vivre, c'est dans ton cœur.
quitter la cigarette, quitter les boîtes de nuit, les boîtes de sexe, on dirait même. Tout ça poil là-dedans. C'est nu, ça frotte, ça frottit, trop tard, une génération ciblée de cigarette. Pourquoi ? Pas de finalité. Rigolez, hein ? Dieu a créé deux oreilles. C'est comme ça qu'on entend par là. C'est par là qu'on entend par là. Tu vas écouter. Dieu a créé deux oreilles. C'est pour que les gens entendent la parole de Dieu. Hein? Il est temps de quitter Harry Potter, Halloween, tout ce qui est du diable. Vous aimez ça? Vous aimez. Hein? Les tatouages avec des têtes de démons, vous aimez. Continuez. Une génération pornographe. Une génération sale, pécheresse. Voilà le monde dans lequel nous vivons, mes amis. Afin que ton âme soit réconciliée avec lui pour que tu ailles au ciel. Où ira ton âme? C'est beau tout ce que nous voyons ici. C'est beau. Mais toutes ces choses seront encore là après ta mort. Et la Bible dit que il ne restera pas pierre sur pierre, mes amis, qui ne sera renversé. Parce qu'après le jugement dernier, mes amis, la terre ne sera plus. L'humanité ne sera plus sur cette terre. Dieu vous appelle à vous repentir. Il appelle tous les hommes en tout lieu à se repentir. Et pas pour aller dans la religion. Ben, fais ta gueule là. Ben, si tu veux, ta chiffre, ben, je te pardonne. Fais ta gueule là. Dieu appelle les pécheurs à se repentir des gros mots. Les gros mots. C'est l'enfer, ça aussi. Mon ami, les démons, ça pose cette bocale. C'est quoi? Dans la cigarette, dans les gros mots. Là, c'est les démons. Quittez les gros mots. Quittez les péchés, mes amis. Je vais parler. Les démons, ils connaissent pas, c'est pareil que toi qui sur la cloche, c'est pareil que lui, pécheur. Souvent les hommes, on pense qu'on est mieux que les autres. Toi qui sur la cloche, tu n'es pas mieux que lui. Dieu rendra à chacun selon leurs œuvres. Tu te masturbes, continue, tu vas payer. Il n'a pas créé ta femme pour ta main droite. Non, ta femme, ce n'est pas ta main gauche. Il y a une vie après la mort. Il y a le paradis et l'enfer. Donne ta vie au Seigneur. Arrange ta vie. Le mal dont il m'a délivré, il peut te délivrer aussi. Viens à Jésus. Jésus-Christ est la vérité et la vie. Après la mort, il y a une vie. C'est pas tout noir, hein. Après la mort, il y a une vie. Et tu devras rendre des comptes à ton Créateur. Et il permet que tu entends ce message là où tu es. Afin que tu n'aies pas d'excuses devant la mort. Aujourd'hui, il t'appelle à la vie éternelle. Parce qu'après la mort vient le jugement. Et quand on prêche la Bible, oh, ils sont bizarres. Qu'est-ce qu'ils racontent? Nous, on aime la sodomie, nous. Nous, on aime violer, nous. On est racistes, nous. Oui, on n'aime pas ce message qu'ils prêchent. Mes amis, ce message que je prêche, c'est écrit dans la Bible. Hein? La Bible, c'est vraiment qui l'a écrit. C'est Dieu qui a donné sa parole aux hommes afin que nous soyons sauvés, délivrés, mes amis. Jésus t'invite à sortir du mal, du péché, de l'adultère, de la fornication. Ces choses t'emmènent en enfer. Quand le Seigneur m'a touché quand j'étais dans le mal, il m'a fait comprendre que si je mourais dans cet état, que c'était l'enfer. Que si je mourais dans la fornication, c'était l'enfer. Et il m'a délivré. Et ce médicament, qui est Jésus, je viens te le partager. Car il veut te sauver. Il veut sauver l'humanité. Le monde ne va pas s'arranger dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Non.
Et après le jugement, il y a deux lieux. C'est soit tu vas au ciel, soit tu meurs pour l'éternité et tu finis ton éternité. Il n'y a plus rien dans son nom. Il n'y a que Jésus. Que Jésus qui peut te libérer de la drogue, du cannabis que tu fumes. Il peut te délivrer de toutes ces choses, des prostituées que tu vas voir. Il peut te délivrer de toutes ces choses. Car rien n'est impossible à Jésus. Rien n'est impossible. Il y a une vie après la mort. Ne laisse pas la mort t'attraper sans Jésus. Toi qui te poses des questions, il est vivant. Le Créateur est vivant. Je te posais cette question, monsieur. Jésus veut te répondre aujourd'hui. Il est bel et bien vivant. Qu'est-ce que tu attends pour revenir à lui? Qu'est-ce que tu attends pour le craindre? Tu attends que le ciel tombe sur ta tête? Prends garde. Prends garde, mon ami. Tu n'es pas maître de ton destin. Tu n'es pas du tout maître de ton destin. Une voiture peut te percuter. Tu peux ne pas te réveiller pendant que tu dors. Tout n'est que grâce. L'air qui sort de ta bouche, l'air que tu respires, la voix qui sort de ta bouche, c'est une grâce que Jésus t'a donnée, le Créateur t'a donnée. Mais l'homme ne veut pas de son Créateur. L'homme ne veut pas chercher son Créateur. L'homme est plus attiré par le péché, le mal, l'adultère, la pornographie, la masturbation, toutes ces choses. Si tu meurs dans cet état, c'est l'enfer. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Il va changer ta vie. Il est la vie. Venez à Jésus. Parce que cela arrivera un jour. Et les êtres humains se retrouveront dans la terreur. La terreur du Créateur, mes amis. Je ne dis pas cela pour vous faire peur. Je vous préviens. Jésus revient. Aujourd'hui, nous sommes sous le temps de la grâce, où il te tend la main. Aujourd'hui encore, il permet que tu entendes sa voix. Il te tend la main. Mais un jour, viendra la fin de toutes choses. Jésus t'aime, jeunesse. Reviens à ton Créateur. Il t'aime et il veut te sauver. Il se laisse trouver dans les lieux secrets. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 6, « Toi qui cherches ton Créateur, enferme-toi dans ta chambre et crie à lui, prie-le, il te répondra, parce qu'il est vivant. Jesus come back. » Et son nom nous a été donné il y a 2000 ans. Le nom qui nous sauve. Grâce à Jésus, je ne fume plus le shit, moi, fini. Je n'ai pas le fumeur ici, là. Le fumeur, levez la main. Si tu fumes et que tu prétends connaître Dieu, tu te trompes. Et rigole. Rigole, hein. Tout se paye. Tout se paye. Tout se paye dans la vie, mes amis. Oh oui, rigole, hein. T'es libre de rigoler. Mais la Bible dit, je vais mourir, mais je ne vais pas l'enfer. Parce que Jésus m'a délivré du péché. C'est ça la différence. Et après la mort, au dernier jour, il y a la résurrection pour la vie éternelle, pour l'injuste. Mais les pécheurs, oh là là, les ivrognes, ceux qui mettent les fesses des femmes, t'es marié, hein. Mais tu aurais tout le temps les femmes de trou. Mensonge sur mensonge. Pornographie sur pornographie. Masturbation sur masturbation. Viol sur viol. Haine sur... Voici l'état du monde, mes amis. Tu frottes comme impossible les transports. Les fraudeurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Le fraude est un péché. Fumer est un péché aussi. Fumer tue. Dieu dit quoi? Tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Donc tu te suicides. En fait, c'est un suicide. Fumer, c'est un suicide. Suicide sur 30 ans, comme Johnny, 40 ans, après cancer. Et on dit c'est à cause de Dieu. C'est vous les fautifs.
La drogue tue aussi. C'est péché, ça, c'est ça. Ah, chicha, chicha, là. Chicha. Péché aussi, ça, mes amis, là.